Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le dimanche 28 janvier 2018. Donc dans cette vidéo, je voudrais parler de deux choses. Déjà, la première chose, ça va être, voilà, j'ai terminé mes travaux électriques, enfin, en tout cas pour la partie où est connectée toute l'informatique. Donc normalement, il devrait plus y avoir de sifflement dans la vidéo. J'ai fait quelques enregistrements, je n'ai pas entendu le sifflement. Ma foi, dites-moi dans les commentaires au passage si vous l'entendez encore ou non, pour avoir d'autres oreilles attentives à ce petit désagrément. Le deuxième point, c'est l'émission C'est quoi qui dit? Donc, elle est prévue mercredi 7 février, à 20 h comme d'habitude, le premier mercredi du mois, on ne change pas les habitudes. Donc, pour cet épisode 10, j'avais en prévision de faire une émission consacrée à Lamp, donc c'est-à-dire sur Debian. Je vais prendre une distribution assez utilisée, Debian. Je ferai une petite démo sur CentOS également, comment installer Lamp, donc Apache, MariaDB et PHP. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu comment on crée une table, comment on crée une base de données, une table dans une base de données, comment on insère des choses, on supprime. Enfin voilà, quelques requêtes SQL de base. Et puis comment interroger cela avec PHP pour faire un site web, un petit site web qui interroge une base de données. Hein. Des petits trucs simples, voilà. Et puis je voulais vous présenter ça. Et finalement, durant mon live, le direct Gen 2 partie 2, on m'a suggéré, deux personnes m'ont suggéré que ce serait bien que je fasse un C'est quoi qui dit sur l'installation de Arch Linux en direct, un petit peu comme je faisais l'installation de Gentoo. Alors je vous préviens, ce C'est quoi qui dit là, il sera en français uniquement, hein, il n'y aura pas de français-anglais. Voilà, je vous laisse jusqu'au mercredi 31 janvier voter donc par le biais des commentaires. Hein. Donc vous me dites si vous êtes plus intéressé par Debian avec Apache, MySQL et PHP, enfin MySQL, MariaDB maintenant, ou alors si vous êtes plus partant pour une installation de Arch Linux. Donc ce serait une Arch Linux de base, hein, en partant de rien du tout. Et puis jusqu'à l'installation d'un environnement de bureau, par exemple Maté, celui que j'utilise. Voilà. Donc dites-moi ce que vous souhaitez en commentaire. Je vous laisse jusqu'à mercredi 31 de janvier plutôt pour voter. Et puis le mercredi soir, eh ben, je ferai une vidéo qui indiquera le choix qui a remporté le plus de succès. Voilà. Allez, eh ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera probablement la vidéo du mercredi qui indiquera le choix pour l'émission C'est quoi qui dit épisode 10. Sur ce, passez un excellent fin de week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!